Coucou mes choupes-choupes, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, d'ailleurs c'est pas bien, ah, d'ailleurs, parce que là je suis d'extrême bonne humeur, voilà, je viens de terminer un épisode de Love Alarm, un petit drama que je regarde sur Netflix en ce moment, je suis un peu énervée contre une meuf du truc, mais c'est rien de grave, toi, je suis quand même dans un bon mood, il fait beau, je vais sortir, etc. Et je décide de tourner à ce moment-là, je dois être un petit peu maso, on attaque le dernier épisode de Life is Strange, l'épisode 5. Clairement là ça pue, hein, je rappelle le contexte, le prof nous a endormis, nous a drogués et a tué Chloé devant nous. Voilà. Ça va être très drôle, je sens que cet épisode va être incroyable. Du coup allons-y, j'ai très peur, en même temps je veux absolument avancer et savoir la fin de ce jeu qui m'a conquise, voilà il faut le dire. Du coup allons-y, croisons les doigts pour que tout se passe bien. Alors. On est dans le bunker. Déjà, ça pue, hein? C'est stressant hein, dès le début, hein. On sait là, ce qui nous attend, on le sait qu'on va prendre cher, hein. Allez, réveille-toi ma chérie. L'angoisse. Là là, moi ça me stresse rien qu'à voir, hein. L'idée d'être entravée comme ça. Oui. Non, pas Chloé là. Ah, je peux bouger, j'avais pas vu. J'étais en mode une cinématique encore. Ok, il y a la masse de trucs à faire. Bon bah observons tout ça. Alors attends, on a un classeur à notre nom. I On don't s'est fait droguer, remember donc ça on le sait. anything. Photo, on peut la voir ou Oh pas? shit, that's me. He took Ok. that shot last night. On peut se détacher? Vraiment? Non, ça me paraissait trop beau. Arrête de crier, mes meufs, arrête de crier! C'est pas du tout une bonne idée! Il y en a une qui va. Hurt. On va pouvoir forcément se détacher de quelque chose. Attends, il y a quoi Of là-bas? course. And right in front of me. D'accord, le téléphone. L'autre pied. L'autre pied, peut-être qu'on pourra faire venir le truc à côté. Yes! Bien joué, girl! Finally, I'm free. Almost. C'est quoi là-bas? Great. I can see all my things, but I can't C'est grab trop it. loin. Bah, ouais, bah, le chariot, on peut le faire venir. Il est parti où le mec? Genre qu'est-ce qu'il a de plus urgent à foutre que de nous zigouiller, tu vois, je... On peut voir la photo du coup là? Attends, il y a quoi d'autre à voir? Non, le reste c'est la seringue, c'est tout ça, on le savait. Ok, regardons la photo. Hate looking at myself like that. You'll pay for this, Elle Jefferson. est vachement courageuse, hein? Ah, on peut se... Ah, bien, on va pouvoir retourner. Ah oui, donc ça veut dire qu'on va retourner au moment où il nous drogue. Super. Je la trouve d'un self-control. Moi, je serais en PLS total. Je pense que je ferais une crise de panique. Elle, non, elle est en mode, je vais te défoncer ta mère. Vas-y, concentre. Vas-y, fille.
Focus. Oui, bah là, hein, tes principes, tu te les fous, je pense. Hein. Ah, la photo horrible. On y est. Ça, c'est flippant. Hein. This angle highlights your purity, see. The slightly unconscious model is often the most open and honest. Creepy, creepy, creepy. Posing just pure expression. Oh Christ. Look at that perfect face. Ah, il dégoûte. Hold that stare there. Stay still. Psychopathe, on a rien vu venir, on a tellement rien vu venir. Max, you fucked up my shot. But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. Moi, il est fidèle à ses principes, hein, je veux dire. The purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Let me try this angle. Bah fais ce que tu veux, je suis par terre. De toute façon, je vais te dire non. Elle peut même pas parler, la pauvre. Don't move. Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows. Nathan, c'est ton apprenti? An eye for a whole lot more. As his elite family will find out. Along with Arcadia Bay. Nice. Oh, good. Oh, those eyes. Ah, une dégoûte! Bon, elle est pas du tout en état de parler, elle peut même pas le distraire, là. God damn nosy, Max! But this room... is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone, and you fell. Et comment il a eu le téléphone de Nathan? You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe, right? Yeah, I'm sorry that I killed, that Nathan killed her in self-defense. Ah, oh, but she had a troubled history, like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I was lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. On peut pas lui foutre une, un chassé, non? Un truc, là, on est à côté, bordel! Oh, c'est rageant. Max, please do not move so much. I need you posed and framed. Quand il est dans cette phase, il fait trop peur. Tu sens qu'il se contrôle plus, tu sais. Maybe a new dose will calm you down. No. No. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Now don't move or this will hurt much. J'ai l'impression d'être devant un des films de psychopathe de ma mère, t'sais. Voilà, bien, bien, ça c'est bien ça. Stupid bitch! You just don't listen, do you? Non, j'ai peur! You didn't hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. Ça c'est pour nous, ça. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Remember my number one rule. Always take the shot. Est-ce que vraiment le seul fait d'avoir renversé le truc, ça va changer quelque chose dans notre situation? C'est quoi comme photo? Ok, donc ça, ça a disparu et à la place, du coup, il est vénère parce qu'on a cassé ses... Oui, d'accord. Il est vexé qu'on ait plus, qu'on ait pété ses photos. Au moins, elle s'en rappelle. So sick. Oui, c'est vrai que c'est pas top, là. Hein. C'est...
Clairement, t'as vécu des meilleurs moments. Est-ce que ça a vraiment changé quoi que ce soit de faire ça? Oui, le dossier. Il n'y a pas le dossier en bas. Attends, il y a d'autres trucs derrière là. Appareil photo, non, ça on l'a déjà vu. Non, ça change que dalle en fait. Photos qui sont là, on les a pas vues. Oh, I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. D'accord, ok. Et en bas, c'est quoi le dossier? Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. D'accord, il a... Oh, d'accord, c'est d'autres photos qu'en fait il avait mis dans le dossier comme on l'a sali pour pas niquer ses photos, il les a foutues là-haut. D'accord. Bah oui, focus. Si on est plus réveillé, tant mieux. De toute façon, là, on peut pas être dans une pire situation, hein. Ok, focus, focus. J'aime bien cet exercice, c'est pas dur. Allez, ma choupette. Tu vas y arriver. Je te laisserai pas tomber. On va le démonter, l'autre. Je sais pas comment encore, mais... I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would choose derrière. To be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you, your portrait. Fuck you. Grave. You're trying too hard. I know you're scared. You Normal. Have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson. Attends, attends, attends. Je fais pause deux secondes. Il y a un truc qui va pas. Normalement, les meufs, elles s'en rappellent pas. On est d'accord qu'il y a que Rachel qui a été butée depuis le début. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Je commence à... Ça veut dire qu'elles ont toutes repris conscience, qu'elles ont toutes eu peur, mais qu'elles ont toutes rien dit. Je sais pas. Peut-être qu'il les fait chanter derrière. J'en sais rien. Why are you doing this? Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. Il est terrifiant. Subjects. Yes. Il est horrible parce que c'est réaliste. Ouais, c'est ça. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Eh, parle mieux toi, oh. C'est vraiment, c'est terrifiant parce que c'est le genre de gars qui passe aux nouvelles, tu sais, genre qui kidnappe des gosses, qui kidnappe des gens, qui les torture et tout. Tu sais pas ce qui leur passe par la tête, c'est vraiment quelqu'un, tu peux le faire vriller en fait. Tu sais pas ce qui peut se passer, il est tellement dans sa bulle d'artiste là, dans sa bulle de j'ai une tâche à accomplir et c'est plus important que des vies humaines. Tu sais pas ce que tu peux faire face à ça, tu peux pas raisonner un esprit pareil, tu vois. T'as pas la même démarche que quand tu parles à Franck ou... vous avez tué Chloé ou elle est brûlée en enfer? Oh, l'un comme l'autre. Vous avez tué Chloé, c'est un constat. Elle est brûlée en enfer, c'est... Je sais pas. Bon, vous avez tué Chloé, je... You killed Chloé. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense. But that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure... Sweet. Kate. Oh, ça... Tu touches pas à Kate, tu touches même pas à Kate. Mais attends, mais c'est pas avec Kate, il l'a amenée là. Elle a survécu. Kate believed and she survived. You failed to break her. She's stronger than ever and she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows? Ah, maybe tu la touches même pas. Ah, je le déteste. You will not get away with this. I want you to know that. Elle est super Too forte. Bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. Oops. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the Mais attends, mais il est pas innocent, Nathan non plus. Son has been doing for homework. Attends, Nathan, il est pas innocent, on est d'accord. Nathan, il bosse avec lui. Il l'a dit tout à l'heure que même ils étaient en mode qu'il est doué, mais pas autant, etc. Donc on a bien fait, Nathan, ok, on va balancer Nathan, mais Nathan, il aura qu'à balancer que c'est le prof. Vous êtes servi de Nathan? You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan.
It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. Oui, c'est ça. I told him what he needed. Je pense que même Nathan, il s'est pas craché les morts, en vrai. I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. What? Attends. Parce que là... Ça veut dire que c'est Nathan qui a pris sur lui, en fait, de vouloir... Il voulait faire comme son maître, donc il a capturé une gamine. Je dis son maître parce que c'est ça, hein. Il a capturé une gamine pour faire une séance photo chelou. Mais il a mal géré et il l'a buté. Mais attends, mais ça ne tient pas la route. Parce que quand il a cru qu'on était, elle, au café, il était content de nous voir. Donc il sait pas qu'elle est morte. Et puis qui c'est qui a pris la photo des deux couchés dans la terre, là? Pourquoi Rachel? Ouais, pourquoi Rachel? Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Donc ils étaient quand même proches. Donc non, donc c'est pas Nathan qui l'a emmené en loose day, c'était lui qui la voulait. Nathan qui s'est foiré dans le dosage. Mais elle a posé pour vous, vous connaissiez Frank. Elle a posé pour vous. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more, anyway. Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so... Look at this as a favor. Oh, ta gueule. Oh, je sais. J'ai jamais eu un mec dans un jeu vidéo qui m'a à ce point. See, we're not so different. Yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. What? After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. Bah si, s'il a fait disparaître le corps, si! You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. Meuf, tu provoques pas trop, là! I do love the spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Oh la vache, okay. Oh la la. Non, il y a forcément quelque chose à faire. Let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout. Il y a forcément quelque chose à faire là, on va pas se laisser crever quand même. Elle a l'air tellement confiante en plus, putain, elle est tellement forte, moi je serais en larmes, je pense. Je suis même bon, ouais. Mais j'aurais pas son courage. J'aurais clairement pas son courage. T'as vu comment elle lui répond? Ok, faut que je lui demande mon journal. Putain, mais c'est... Il a buté Nathan, quoi. Attends, reviens Mais reviens! Il a tué Nathan pour en fait faire croire que c'est lui qui a commis le... Wait, please. Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Ah, oh, mais Jules. Ah, il me... Tu sais, c'est... Alors, on a eu des méchants dans les jeux vidéo qu'on a fait, hein. Mais là, c'est d'un niveau de psychopathisme. On n'a jamais eu de psychopathe, en fait, hein. C'est le premier. C'est émouvant, dans un sens, hein. Bah, mon journal, clairement. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. Non, c'est pas ça que je voulais dire. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies.
What a waste of talent. Look at that shot, Max. Très bien, je ne demandais pas tant. So c'est ça, fais ton mec, fais ton mec. Allez, dégage. On va te défoncer. Ah, j'ai la rage contre lui, là, mais je te jure. Ah, en fait, ça me dépite qu'il ait buté Nathan. Je sais pas, c'est le truc de trop, tu vois. Oh my god. Qu'est-ce qu'on va faire? On va focus. Allez. Max, this could be your chance to fix everything. On va le faire. Allez. Oh la vache, c'est énorme, on est au début. On va devoir tout refaire. Non, non, c'est le dernier épisode. Peut-être qu'on aura une ellipse. C'est incroyable. Tout refaire, t'imagines refaire. Mais de toute façon, je pense refaire le jeu en sachant que c'est lui. C'est peut-être ouf. C'est quoi ce truc derrière? Sorry, I couldn't resist. The point dire que je trouvais sexy au début. Has always been a vital aspect of art. Je l'ai vu trouver chouchou quand même. Long as it's been around. Now Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? J'aime bien pas capturer, on s'en tape, tu sais. Ça veut dire quoi pas capturer? Je sais pas ce que ça donne. Procédé de dégâts. Je vais pas capturer ce que ça donne. I'm not into capturing your interest. That's kind of sick, isn't it? I guess somebody hasn't had their coffee. Do you want to try again? Okay, the Daguerrean process. Blah, blah, blah. Ah, elle ne trouve chouchou. T'aurais pu trouver une réponse. Let's move on. Ouais, on passe pour une LFQ, quoi. Anyway, so the Daguerrean process made portraiture quite popular. Mainly because regarde le regard qu'elle lui jette. Tu sens la rage, t'imagines à sa place. J'aurais tellement la rage. Tu sais qu'il va se buter ta pote, qu'il va faire du mal à Kate, qu'il a tué Rachel. First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Melissa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Yes, c'est. Est-ce qu'il va nous croire? Bon, ça sert un peu à rien de regarder. I hope I still love photography when this is done. Ah, j'avoue, oui, il y a de quoi être un peu. On est où niveau texto? Bastard. Oui, pareil, portable. All I need is David's number, and Jefferson is one text clock. Désolée, je suis passée vite, mais là je suis stressée là. Là j'ai envie d'avancer le truc, tu vois. Très bien, c'est quoi? D'accord, brochure sur l'académie. Mark Jefferson. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Moi je dois avouer que sa vie, je m'en bats l'œil avec une patte de babouin. Là ce que je veux, c'est le dégager. Ah, David. 555, 630, 82, 43. Est-ce qu'il faut que je le retienne ou est-ce que ça part du principe qu'elle l'a retenu, elle? Ouais, prévenir David. For once, David. I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Parfait. Parfait. Bon après, il risque de se demander, what, pourquoi il nous balance ça? On l'a supprimé? You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. C'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce past within the past. Ah non, ton petit nez. Am I pushing myself too hard? Du coup, est-ce qu'il faut qu'on aille sauver Chloé aussi? Regardez ça. What happens to me. Ça, on l'avait déjà fait. Alors, je veux juste voir Kate, parce que j'ai pas envie de changer le cours des temps pour elle. Hi, Kate. Enfin, si, dans le bon sens, quoi. Hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I.
Maybe we could both use a hug. Oh oui, un petit hug avec ma Ketounette. Je l'aime trop, Ketounette. Hein. Thanks. Il y a quand même du bon dans tout, right, c'est bien. To do. Ma petite Ketounette. Bon, maintenant, faut qu'on s'occupe de l'autre con. Ça va mieux, ma choupette? Oh, photo! Oh, oui, cool! Cool, cool, cool! Regarde. Oh, elle sourit! J'adore quand elle sourit. Quand elle sourit, c'est la plus mignonne de la planète entière et de la galaxie, au moins. Au moins. Sans exagérer. Ah, incandescence! J'ai un succès de verrouillé. Magnifique. Boule de papier. Bon, ça, on avait déjà vu. Il n'y a pas de raison que ça ait changé. En fait, les choses n'ont pas changé, vu que c'est vraiment au tout début du jeu. Donc, on n'a rien pu faire. Est-ce qu'on peut te parler à toi? Non. Toi! Mr. Jefferson? We need to talk. You see, I'm talking to Mr. Jefferson now. I can see you're kissing ass again. Nothing new. What did you just say? Hold on. What? Are you okay, Max? Not until Victoria knows that hiding behind a screen and posting videos of people is totally fucked up. You know how easy it is to hurt somebody? To destroy their life? Are you proud of yourself? If you have any feelings left, you should think about elle est habitée, là. Elle est habitée, Max. C'est génial. Elle est géniale. Of course you did. You're so insecure, you can't even be happy with your own talent. You have to try and bring everybody down to your mean and ugly level. Okay, I do not have to listen to this bullshit. Do I, Mr. Jefferson? Well, it looks like you already did, Victoria. Elle a le cou tordu. Yes, I'm done talking. I sure hope so. Voilà, c'est fait. I'm not going to say I didn't enjoy that, but why? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh. Bien joué. That was easy. No. It wasn't easy at all. C'est trop intense, j'adore. I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo. And maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Ah, on n'a pas tout à se retaper. Ah, en fait, on est vraiment dans la photo. Je crois. Ok, donc ça. C'est quand même arrivé. Ok. Ça aussi. Ok, oh, c'est bien si on n'a pas tout modifié. Le flic, il bouffe pas ses pizzas. Enfin, ses pancakes. Ils sont occupés. Bien, donc ça a marché. Yes, il a arrêté Nathan aussi. Ça peut pas être si simple. Si? Bon, ça me va, hein. Ils ont retrouvé le corps de Rachel. Donc on a quand même Chloé qui est tristou. Ah non, bah pas tristou, du coup on a gagné le concours. Cool, Victoria Alsum. Classique. Et du coup, Chloé n'est pas morte tuée par l'autre connard, puisque l'autre connard est arrêté. Et à la place, on fait notre valise avec Chloé qui nous joue de la musique. Et ça, ça n'a pas lieu non plus, du coup. Et on monte dans un taxi. Ok. Donc on a gagné le concours, donc on va à Los Angeles, c'est ça? Ça me semble vraiment un revirement soudain, mais moi je préfère ça, hein. On est dans le navion. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Du coup, il n'y a plus de problèmes météorologiques? Parce que sinon, l'avion, c'est un peu dangereux, non? Je veux pas un crash dans un avion. J'ai vraiment pas envie d'avoir un crash dans l'avion, vraiment. Ça serait trop bien, franchement, en réalité. Là, tout va bien. On a gardé nos potes. Good work, David. Chloé est fière de nous parce qu'on a réussi. Oh, you're alive. Oh, you're alive. C'est bon, genre, non, bah c'est bon.
Bravo ma fille. High five à distance. C'était intense, j'ai pas beaucoup parlé hein, début d'épisode là. En même temps, t'as l'autre psychopathe qui t'explique son plan, je peux pas lui couper la parole, il me fait trop peur. Bon ok, donc tout va bien, je sais pas pourquoi je sens que c'est... Non, parce qu'on est au début de l'épisode 5 en fait, donc il y aura forcément une couillounette au moins, une petite couillounette, tu vois. Tu m'étonnes. Everything is out of focus and in the distance. I can't wait to land in Frisco. Nobody calls it Frisco. Qu'est-ce qu'on a ici? We're almost in San Francisco. Ah, San Francisco, pas Los Angeles, autant pour moi. I'm so stressed, but I'm so excited too. C'est génial, ma Fifi. Je suis bien contente pour toi. I have to admit, I love being called an artist. C'est cool. Journal, est-ce qu'on peut le lire? Beginning of the end for Jefferson and the Prescott. Wow, je vous laisse faire pause comme d'habitude, vous lisez ça de votre côté, je lis du mien. Bon, en gros, ils se sont fait griller, quoi. Il n'y a rien de plus, en fait, on n'a rien appris de spécial. C'est quoi l'écran? Oh, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Je ne connais pas, j'avoue que j'ai pas la ref. Play the video game and watch him all the time. When we were innocent. For long ago. Comment on dit ça? Oui, je crois que c'est ça. Your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. J'ai hâte qu'elle soit arrivée quand même. Je suis pas confiante dans l'avion. Clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping. These airline seats get small. Bien dormi, Coco? How did you sleep? Ben voilà, même question. Hope I wasn't snoring out loud, Max. N'a rien entendu. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic. C'est pas un mauvais mec. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience. C'est mignon, il est mignon. I already am, and en plus, ça va débarrasser les Prescott de la ville, donc c'est bien. Oh, Christ. Another nosebleed? Max. You're not just screwing around with time. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What? Ah, elle est en train de charger les différentes étapes comme c'était un gros changement peut-être. Peut-être, tu vois que ça prend du temps. Et du coup elle a des répercussions tardivement. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs là. Parce que pour le coup c'est vrai que ça a modifié 7 jours pleins donc... Peut-être, hein, c'est qu'une hypothèse, mais comme c'était du passé. La galerie, waouh! Oh, on peut voir les photos! Héros du quotidien. C'est quoi pour vous, héros du quotidien? Ça serait quoi? Genre, si vous pouviez faire une photo ou représenter quelqu'un. C'est intéressant comme question, en vrai. Là, il y a des parents. Un cerf en tuyau. Pourquoi pas? Ça serait quoi pour vous? Héros du quotidien. Je pense, je mettrais juste... En vrai, quelqu'un de gentil, tu vois. Représenter ça, genre... quelqu'un quand genre qui fait son marché et qui donne à manger à quelqu'un, tu vois, ou... And this gallery is huge. Ça me fait réfléchir, désolé. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. Pauvre chérie. This is your day, Max. J'en ai jamais mangé de ma vie, d'ailleurs. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Bah, tant qu'à faire, on va essayer, hein. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult. Il est sympa, il est vraiment sympa. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar, so you don't have to. Trop aimable, vraiment. Start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Ok, ça veut dire qu'il faudra y retourner après. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. I've been through so many realities in one week. Life is...
Weird. Life is strange, isn't it? Ah, c'est la liste de tout le monde. There I am, along with all the other winners. Prestige quand même, c'est prestige, hein. I should say artists instead. Exactly. Te déprécie pas, ma fille. Est-ce qu'elle peut nous dire quelque chose de sympa? Good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your everyday heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Merci, meuf. T'es bien gentille. Boîte à dons. On peut mettre des dons? On n'a pas de thunes, mais non, on peut pas. On peut juste regarder. I need to drop some serious cash in there. Oui, bah... Ah, on n'est que des pauvres et petits étudiants, hein. Bon, on va faire un tour, on va essayer de trouver notre photo. Tant qu'à faire. On peut lui parler, non? Ah, il va y avoir pas mal de Jean-Jacques, je pense, hein. Livre d'or. Oh, on peut pas écrire? Non, on peut juste regarder. It's great to read all these comments. Ça donne carrément envie de se mettre à la photo. Un grand exemple de surveillance absolue. Leurs 15 minutes sont presque écoulées. Merci, sympa. Tu vois qu'il y a beaucoup de désabusés, quand même, hein. Ok, alors c'est très angoissant. Ça rappelle un peu la chambre noire pour le coup. Oh, on peut prendre en photo, cool. Ça, je trouve que le truc sous terre là, c'est. Ah, donc on la prend en photo avec son appareil. D'accord, c'est sympathique. C'est. Vision nocturne, cool. Bah écoute, je peux te parler, meuf, ou même pas, en fait. C'est. Où tu es? Où tu es? Tu es là? Oui, je peux te parler. Ah, bah c'est rien, ces problèmes. Je compatis. Héros du quotidien. Bah, je vois pas ce que c'est. Ça, c'est deux vieux qui se baladent. Je vois pas pourquoi c'est des héros du quotidien. On peut pas avoir les légendes. Ce serait intéressant quand même, hein. Bon, ok, très bien. On peut courir. On peut trottiner. On peut un petit peu trottiner. Bien, bien, bien. Il y en a là. On va pas regarder tous les tableaux, mais c'est vrai que. Pourquoi Super Saucisse, c'est un héros du quotidien? Pourquoi pas? Remarque, hein, tu peux mettre Mickey aussi dans ce cas. Un pompier, des marathoniens, une dame qui s'occupe d'une personne âgée. C'est sympathique. Pour le coup, je reconnais la. Le rôle, on va dire, tu vois. Elle parle pas. Soi-même, un peu égocentrique, mais soit, un alpiniste. On peut te parler à toi. D'accord, c'est juste un pervers parce qu'il y a deux meufs qui se bécotent. Moi, c'est une très belle image. C'est joli, c'est très joli. Ça a un côté, le courage d'être soi-même et de s'assumer, tu vois, qui est très sympathique. Encore une personne, enfin, non, cette fois c'est avec une dame handicapée, un marin, un SDF, je crois, je vois pas trop en haut, des soldats, quelqu'un d'une association. Il y a pas mal les mêmes idées qui reviennent, mais c'est intéressant, hein. Désolée, je prends un peu le temps, mais je trouve ça super intéressant, en fait, de voir les idées qui sont sorties. Pompier, un oiseau qui nourrit ses bébés oiseaux, pourquoi pas, je n'y aurais pas pensé, mais... Merci. Un scientifique ou quelqu'un qui apporte de l'eau, je sais pas trop. Ok, un ancien combattant sans doute. Un quelqu'un qui sauve un oiseau, c'est chou. Oh, notre photo! Il y a notre photo! Tu peux parler, toi, un journaliste. Ouais, c'est nous. Ouais. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their art section and I totally dig your work. Now, I know thank the you. Whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images. So I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. Merci, Coco. You too, Danny. Danny, voilà, j'ai oublié. Merci, Danny. T'es un gentil Danny. Cool. Ils disent quoi, les gens, de notre photo? Ah, rien. Ok, bon, bah, on peut la regarder. On peut la regarder de plus près. Comme prestige, t'imagines? Hey, and there she is to save the day. Hi. C'était super impressionnant. You did it, Max. You're a real artist. Et elle, c'est beau en plus, parce que c'est genre le héros du quotidien, c'est tout le monde. Je trouve l'idée géniale. Ah non, pas encore! Qu'est-ce qui se passe cette fois? La manette... La tornade? C'est pas réglé, ça? On a pris l'avion, il s'est rien passé. Chloe! Chloé? Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Six appels manqués. Qu'est-ce qui se passe? Oh, come on. Oh, on est allé au sous-sol, là. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado, it's coming. What? Oh, no.
Chloe, où es-tu? Dans un endroit à l'abri. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Ah, shit, shit, shit! Ah, mais tout allait si bien, on a... Oh, faut qu'on gère la météo en plus des killers, quoi! C'est pas possible! Bah si, t'as réparé des trucs quand même, mais... Arcadia Bay is gonna be destroyed. Oui, bon, ok, c'est pas... Faut qu'on retourne là où on a pris la photo? On n'a pas d'autre alternative, là, hein? Cul, hein? Bon, je vais monter de l'autre côté, comme ça je verrai les photos. De toute façon, je sens que cette réalité-là, je peux me la foutre dans le baba, hein? Clairement... Il y avait quoi ici? Du coup je regarde. Oh, un bébé avec son chien, c'est le chien le héros, ça c'est mignon. Bon, j'ai plus la tête à ça, mais en tout cas je vous laisse regarder les photos quand même. Je suis contente de pouvoir refaire un tour, ça m'aurait chafouiné de pas pouvoir tout voir. C'est intéressant vraiment les idées. Il y a quand même beaucoup de pompiers. Oh, Gay Pride, sympa. Beaucoup de mamans aussi, c'est touchant. Ah, il faut qu'on revienne là, mais qu'est-ce qu'on va faire dans notre chambre? Meuf, tu joues trop avec ton pouvoir, vraiment trop, hein. Là, c'est bon, cette réalité. Bon, ok, ok, d'accord. Tout le monde crève. C'est vrai que c'est pas l'idéal, mais... I'd love to ask you a few questions about your work. Sorry, but... Ah, d'accord. Super, on s'est fait interrompre. Ok, c'est bon, j'ai. C'est con, elle était bien, cette réalité-là. J'ai pas envie de... Qu'est-ce qu'on fait? Mais à quel moment on va pouvoir empêcher la tornade, en fait? Oh, shit. Oh là 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 là, elle pisse le sang, ma choupette. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? Bah, pas quelque chose de cool. Parce qu'il y a toujours eu ce truc là quand elle était dans une photo, mais là c'est abusif quand même. My previous timeline was so perfect. Bah oui. I'll accept that I need to be in Arcadia Bay, not San. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Sérieux? Mais à quoi ça sert? Sorry, San Francisco. Chloe comes first. À quoi ça sert? À quel moment ça empêche la tornade qu'elle se passe à San Francisco? Elle va pas pouvoir sauver Chloé? Ok, donc du coup elle gagne pas. Elle garde la photo déchirée dans son cahier. Et elle monte pas dans le taxi. What? Attends, attends, d'où il y a Jefferson qui brûle nos photos? Mais d'où Jefferson, il est pas en prison? Quoi? Mais c'est une plaisanterie? Non mais attends, 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 à quel moment le fait qu'on aille pas à San Francisco, ça empêche que Jefferson soit en prison? Qu'est-ce qu'on a foiré? On a foiré quelque chose. On a clairement foiré quelque chose, je ne comprends pas, mais... Oh, on me dit pas qu'on est rattaché. Oh, shit, 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 shit. Je pensais que j'ai fixé tout. Qu'est-ce que tu as dit, Max? Quoi? C'est pas vrai, c'est un cauchemar. Je voulais plus le voir, celui-là. C'est comme que tu es dans ma classe. Tu es toujours spacing out. Oh. Ça pourrait être cool si tu prenais une de tes patentées selfies maintenant. La transformation entre l'ancien Max... And the new Max. Anyway, answer my question, please. Quelle question? Va te faire foutre. Fuck you. Voilà, ça c'est un beau fuck you. Good answer. Good answer. Il est beau, tiens. Hey, oh, ton aîné. Your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world. Je comprends pas, on la balance. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce qu'il en sait? What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. That's why I'm still here. Je comprends pas. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. Je comprends pas. There's something weird going on with you. Whoa. Ah, c'est l'ouragan. How crazy it is outside. Oui, donc on sert à rien là. Mais du coup, Chloé, elle est toujours morte. Something weird. There's that.
Il est terrifiant, il est terrifiant. It's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated. Tu vas pas les montrer les images, en plus c'est ça, il a pas de public. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please. Don't do this. Ah, c'est horrible de l'avoir supplié. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Ah, moi, je suis dans cet état-là depuis le début. Hein. Perso. Please. Ah, c'est la scène de cinématique la dernière fois. Ah, mais dis-moi qu'on peut faire quelque chose là. Ah, c'est cruel, hein. On était au top, on était dans une galerie d'art à prendre des cartes de journalistes, et puis là, on se retrouve dans une cave avec l'autre dingue. Il y a bien un truc qu'on peut faire là. Attends, je peux bouger. Il y a quelque chose. Ta gueule, dégage, dégage. Non, 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 non. Moi, j'ai gagné du temps, mais je sais pas ce que je suis censé faire là. I promise, this final dose won't hurt. Peut-être que ça va s'arrêter tout seul. What? Y a quelqu'un? David, attention! Allez, montre que t'es un bon vidé... No, David, no! C'est une blague! David Madsen, he's out cold. On va clairement remonter. I promise, this final dose won't hurt. David, David, David! Now! What? David, watch out! Voilà. How did you know that? Parce qu'on est maline! Tête de pipi! C'est le premier truc qui m'est venu, je sais pas. Mais c'est pas possible d'être aussi nul! Mais t'es pas militaire, non? Jesus! David, man! Oh, ta gueule, l'autre là, là, il m'énerve, le psycho là! Je vais te démonter, je vais te démonter, je devrais. Il y a bien un truc à faire! Jesus. On peut rien faire! David Madsen, he's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody in Blackwell did, right, Max? Okay. Tu l'as pas aimé parce qu'il est fasciste, t'as tué des gens. David, watch out! How? How did you know that? Il y a forcément quelque chose que je vais pouvoir faire là. Je comprends pas. Jesus. David Madsen, he's out. Je comprends pas. Good. I always hated that fascist. J'aurais pensé un truc avec la table, mais. Right, Max. Je suis toujours attaché. Okay. No more nosebleeds. Wait, hold on. Can I please ask you for one last? Ah, il y a un autre truc que j'avais pas vu venir. Oh, you got me, Max. J'avais pas eu ça tout à l'heure. Pour ça que je l'ai bloqué. Ok. Qu'est-ce qu'on doit te demander? Éteindre la lumière. Non, ça va pas du tout aider David de marcher dans le noir. Dernière photo. Je suis pas sûre de l'eau ou un peu de musique. Peut-être la musique s'il part de l'autre côté, il l'entendra pas arriver. Musique, il l'entendra pas arriver. Mais dernière photo, peut-être. Dernière photo, ça peut permettre de revenir dans le temps. On va faire dernière photo. Peut-être que ça le fait s'éloigner. I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you've finally learned. Je me dis que ça va peut-être faire un truc qui permet de revenir plus facilement, je sais pas. On sait à quel point les photos c'est utile, donc je... Hein? Oh, le regard. Photo... Oh, succès! Ah, ça compte pour nous? Ça compte en photo pour nous? Ok. Alors là, j'aurais pas cru, parce que dans ce cas-là, tous les persos qui prennent des photos depuis le début... Du coup, David, David? I promise, this final dose won't hurt. David? David? What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Oh,
Ok, d'accord, oh, c'est pas du tout la bonne réalité alternative, c'est pas... Non, c'est pas l'idée de l'année, hein, se prendre un gros coup de trépied dans la gueule, c'est pas... Non, c'est pas... Voilà, on va garder mon idée de musique, hein, on va partir là-dessus. Et on va espérer, hein, voilà. Ta gueule. Un peu de musique, Cody, comme ça tu l'entendras pas, je me dis... So I can drift away. Even at the end, you're still a dreamer, Max. It's a nice trait. Vas-y, profite. Fais ton mec tant que tu peux. David, t'as pas intérêt à foirer, bordel. Je t'ai donné une putain de diversion et t'entendras pas. Sois militaire, bordel. T'es un putain de militaire. On rentre à la retraite. Pourquoi il a pas tiré? No way, Jefferson. Non, effectivement, on n'est pas plus avancé que ça. Qu'est-ce qui nous manque encore? C'est pas la musique? Pourtant, j'aurais vraiment cru. Je peux rien faire, hein, nulle part. Hold it! What? C'était pas ça. Pourtant j'ai cru hein. J'ai cru que c'était une bonne idée. Mais c'était pas ça. Bon au moins il est rentré mais... Bon bah, on va essayer un peu d'eau. Peut-être qu'un peu d'eau ça va... Je sais pas ce que ça peut faire mais... Là c'est clairement du hasard hein. Sauf ça a été éteint la lumière tu sais. But my throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. Merci, c'est trop gentil. Vraiment, c'est trop sympa de penser à mon confort personnel. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Ah, je rigole parce que j'ai juste envie qu'il soit explosé. J'ai envie de lui foutre un coup de trépied dans la tête, là. T'imagines, il n'y aurait pas David et serait condamné à revenir dans le temps en boucle pour pas mourir. L'horreur. I promise. This final dose won't... Ta gueule! Ah, il m'angoisse là, David! Dépêche-toi! What? Donc ça, ça change pas. Avertir. Watch out! How? How did you know that? Donc là, là peut-être qu'on va pouvoir faire le truc. Ouais, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Et bim! Voilà, une bonne droitoune! No gun, no balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. What? David Mattson. Of course. Well, this is what you get for playing cop. Oui, bon, ça va, ok. On va faire quelque chose. Ah, je peux pas. It's over. Ok, la table. Kick that table. Yes, sir. David Mattson. Qui fait ça? Qui fait ça, sans déconner? Jefferson, it's over. Avertir. Ah non, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais l'avertir. Ok. Oh, ça c'est la bonne droitoune ça! Oui! Oh, ça c'est bien ça! Oui, oh, je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu! Max, merci okay? David, merci, tu es un saint homme. Un peu creepy, mais gentil. Yes. Thank you, David. Thank you. Bah oui, là. You brought me here. Pourquoi tu n'es pas venu avant? Je t'ai envoyé un message il y a une semaine. Let's wrap up this son of a bitch first. Bravo, David. Voilà, c'est la petite drogue qui fait plaisir. You're going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Ah, c'est bien fait. Elle va pas faire une photo quand même, ça serait chelou, hein. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Warren, yes, I can use that picture he took of us. Shit, no signal. Bah, t'es dans un bunker, cocotte. Forcément que ça capte pas. Thanks, Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. Ah bon, t'as le permis? Ok, et bah, nous on va s'arrêter là. Ah, oh, ça c'est monstrueux, mais ça fait déjà une heure que je tourne. Il y aura peut-être un poil moins avec les cuts, mais c'est même pas sûr.
Je suis comme ça. Je suis posée sortir là. Je suis dans un état de nerf incroyable. Putain, c'était dense. C'était dense de ouf. En fait, on est parti d'un truc super creepy à une réalité super cool, à repartir sur un truc super creepy. Et là, on va repartir vers une réalité où Chloé est vivante. Je sais plus. Je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. C'est super perturbant. J'ai hâte d'avoir votre avis, comme d'habitude, en commentaire. Alors, c'était assez strange comme épisode, je dois avouer, enfin comme partie d'épisode. J'espère que la prochaine fois, je sais pas combien de temps il me reste en fait avant de finir le jeu. Je pense que ça joue en quelques semaines, là maximum en deux semaines à mon avis on a terminé. Ce jeu est incroyable, ce jeu est juste incroyable et je suis trop choquée. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'ai fait ce qu'il fallait? Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir de très gros choix pour cette fois-ci. Bon bah voilà. Vivement la semaine prochaine mes agneaux. Hein. En tout cas nous demain on se retrouve pour Campus Life, ça c'est sûr. Et j'espère que ça se terminera mieux que ça. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka. Oh, c'était trop angoissant.